Bonjour les amis, bon écoutez, je tente une petite sortie ce vendredi matin. Pour l'instant, j'ai pas pu vous mettre encore de vidéo. Donc, bon, on va essayer de trouver quelques bricoles aujourd'hui. Et puis, ça me permettra de tester mon générique que je vous ai posté hier soir. Je fais un petit coucou à Popom, à Dom, à Christian, et puis bon, DR650 et Segolix en particulier. En espérant faire une sortie avec eux bientôt. Allez, je vous reprends aussitôt qu'il y a quelque chose. Allez les amis, ça fait un petit quart d'heure que je suis là, bon, pas de trouvailles pour le moment, hein, mais je voulais simplement vous faire profiter un petit peu de ce bois. Bon, je suis un peu essoufflé parce que comme vous verriez, il y a du dénivelé. Bon, je sais pas si sur la vidéo on apercevra, mais on voit en bas du bois, les villages sont tout là-bas en bas. Le site m'a l'air intéressant. Pour l'instant, bon, le bois est très propre, mais bon, on peut tomber sur le bon endroit. Et ce petit coin est sympa dans le bois, là je vais fouiller un petit peu par là. Une petite cuvette. Mais en tout cas c'est agréable, bon malgré la neige de cette nuit. Ici, pas de traces. Le sol n'est pas gelé. Voilà. Écoutez, je vous reprends si s'il y a quelque chose. Mais enfin en tout cas, ça méritait la balade quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon, écoutez, un petit son. Alors, pas très propre, hein. C'est peut-être de l'alu, mais bon. Alors, il me semble que c'est par là. On va regarder. Alors là, maintenant, ça sonne mieux. Mais je crois avoir vu. C'est là. Peut-être d'obus. Ah non. Ah, ça va être une cloche. Ben, c'est une... C'est une cloche. Un sacré morceau, alors est-ce qu'elle est... Oh, ça a l'air d'être de la ferraille, enfin je sais pas, il faudrait que je la gratte. Ouais, vu la tâche, ça doit pas être très très ancien, mais... Bah écoutez, c'est toujours ça, hein. Voilà, bah écoutez, on va enlever un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là je suis en train de chercher, vous voyez, le bois il est un petit peu spécifique ici, il y a pas mal de rocailles. Je vois qu'il y a des chemins un peu partout. Alors je me dis, bon... Sait-on jamais, a priori déjà il y avait des bestiaux. Allez, à la prochaine. Bon, ça fait déjà une petite heure que je suis dans le bois. Bon, ça donne pas grand chose. Hein. Par contre, c'est vrai que le coin est superbe, je vous en fais profiter encore une fois. Je vais me rapprocher tout doucement de la voiture. bon, pas de bilan à tirer. Hein. Sur une première sortie sur un bois qui est aussi gros que ça. Bon. Faut trouver le bon passage. Mais en tout cas, moi je pense que je reviendrai au moins pour le plaisir. Il y avait un beau rayon de soleil tout de suite. Et donc là je vois, je ne sais pas sur la vidéo, vous ne verrez peut-être pas, mais là il y a a priori un vieux sentier qui file tout droit là. Je vais essayer de le prendre, on va voir. Je vais fumer ma petite clope et puis je vais repartir, mais tranquille. Alors le coin que vous avez vu tout à l'heure avec toutes les pierres, il y en a encore un peu là, hein, ça borde une partie du bois là sur la hauteur. Alors je pense que le plateau serait à faire, mais bon, il faut avoir un peu plus de temps, hein. Moi je reprends le boulot vers midi. Donc je sais que de toute façon je suis limité à une heure et demie, deux heures maxi. Hein, et après il va falloir que je cours, parce que je suis quand même à 20 km de chez moi. Donc le temps de rentrer, de se préparer, ça va être chaud. Mais bon, on aura pris l'air un peu. Bon écoutez, je vais retourner tranquillement vers la voiture. J'ai trouvé un petit clou, parce que j'ai creusé un petit peu en tout métaux, comme c'est propre, qui me paraît bizarre, mais bon, je vous montrerai ça à la voiture. Allez, à tout de suite. Mais un petit son, là, juste après vous avoir pris la petite vidéo juste avant, là. Alors, c'est dans le trou, là. J'ai pas encore regardé. Ça ressemble peut-être à un plomb. Ouais, je le vois. C'est... ici. Ouais, c'est bizarre, il y a du plomb parlant, on dirait du plomb, mais bon, bon écoutez, on verra au nettoyage. Aucune idée. Bon, bah écoutez, des fois on a des surprises, donc je garde.
Allez, à la prochaine. Bon les amis, et ben écoutez, retour à la voiture. Donc je quitte ce bois là. Bon, je suis un petit peu essoufflé là, j'ai bien crapahuté. Le temps vire franchement à la pluie. Mais bon, vous voyez comme quoi quand on se lève tôt, on arrive à faire quand même des sorties sans se mouiller. Alors le bilan de la matinée. Et ma clope. Le bilan de la matinée, ben, pas grand chose. Vous avez vu tout à l'heure, des merdouilles. Alors une jolie clochette. Je pense que c'est du métal, il faudrait que je la gratouille, mais bon. Si quelqu'un a une idée sur la date, mais à mon avis c'est récent, parce que c'est quand même de la ferraille. Je viens de trouver, bon, une balle pour tirer dans les coins. Un morceau de ferraille. J'ai creusé un petit peu sur les ferreux pour voir le terrain, ce que ça donnait. C'est pour ça que vous allez trouver des restes de petits clous là. Alors j'ai trouvé celui-ci par contre qui me paraît un peu plus ancien, c'est il en fer aussi. Mais franchement, j'en ai rarement vu comme ça, c'est pas usiné ça, je pense que ça a été... Enfin bon, je vais le gratouiller, on va voir si quelqu'un a déjà trouvé des clous de ce style. Voilà. Bon, on verra. Bon, un gros morceau de plomb qui mérite d'être gratté, mais je pense pas que ça donne grand-chose. J'ai fait le tour, voir si c'était pas... un seau, une chose comme ça, voir s'il n'y a pas des pièces à côté, pédale. Par contre, j'ai trouvé un truc sympathique. Alors là, il faut avoir de bons yeux. Alors en creusant sur les ferrures, voilà, j'ai trouvé, on dirait une pointe de clou, mais je ne suis pas persuadé parce que c'est des corps, c'est vraiment minuscule. Hop là. C'est minuscule, mais c'est quand même décoré des deux côtés. Apparemment. Alors la mise au point. Difficile hein, sur un module comme ça. Alors je ne sais pas, je ne ferai pas ce que je vais faire dans le macro. Bon enfin, j'essaie de le prendre un peu mieux en photo. Vous voyez, c'est vraiment minuscule. Alors qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, on ne le saura pas parce qu'il vient de le perdre. Bon écoutez, je vais le retrouver, il a dû tomber dans le coffre. En tout cas, bon, c'est bizarre. Bon, je vais rallumer le déhousse pour le trouver, il a dû tomber à mes pieds. Voilà, bon, en tout cas, vous voulez de la... Le bilan de la journée, bon, la matinée pas top, mais enfin je savais qu'en une heure, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Et puis donc, ben, je reviendrai certainement dans ce bois assez rapidement parce que c'est vraiment plaisant. Allez, bonne détection à tous et à bientôt.